Suite à une reconversion peu commune de cycliste professionnel, je suis devenu agriculteur. J'ai repris l'exploitation familiale, c'est la quatrième génération. J'ai eu la chance de faire mes deux métiers passion, l'agriculture après le cyclisme, et donc c'est vraiment une vocation, un métier très dur mais finalement qui apporte beaucoup de satisfaction. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Coureur cycliste professionnel? Ah, mais c'est pas un métier, donc bon, je calmais tout le monde en disant bah, je ferai agriculteur. Nous sommes 5 sur l'exploitation toute l'année. Et donc on est animé par cette passion de l'agriculture, de la production bio, qui est pour nous la plus raisonnable, on va dire. Nous vendons aussi à la ferme 2 jours par semaine, le mercredi après-midi et le samedi après-midi. On produit 7 variétés de pommes aujourd'hui, avec une partie en pommes bio et en légumes de plein champ. Donc du poireau, du navet, de la pomme de terre, du haricot vert, de l'oignon. L'idée, c'est de créer de l'emploi dans ces zones. J'aime pas le mot sinistré, mais dans ces zones où on a très peu d'emplois, on a du mal à créer de l'emploi. Retisser un lien, une vraie toile dans ces lieux. Aujourd'hui, le consommateur a envie d'aller directement vers le producteur, à essayer d'arriver à toucher les particuliers avec un prix de gros. Je suis agriculteur, maraîcher arboriculteur sur la commune de Valcabrère. Et depuis 3 ans, nous prenons les décisions ensemble avec Clémence, Romain, mes parents. Je me présente, Emilien Bergès. Bienvenue à la ferme Saint-Just.